Coucou tout le monde, c'est Arcangel et aujourd'hui on se retrouve sur Raw Thunder avec le Horten 229 V3, un jet allemand, mon troisième plus précisément après le 162 et le 163, le 229, donc le HO29. Nous sommes sur la map Berlin contre les Allemands, contre les Américains et les Anglais, et nous sommes avec une équipe composée d'Horten 2262 les tout premiers et d'un Arado. Donc une équipe plutôt... Enfin composée de trois véhicules complémentaires. Voilà. Donc c'est bien, on n'a pas de HE162 pour nous embêter. Et pour... Parce que le HE162 dans une partie comme ça ne sert à rien. Très clairement. Donc volet décollage. Et on décolle. Ça décolle super bien. On est à peine à la moitié de la piste et on décolle déjà. Donc c'est un avion que je voulais débloquer avant mon premier 262. Et avant le MiG-15 bis. Donc c'est à dire que là mon prochain véhicule sera le Messerschmitt 262. Enfin mon prochain jet allemand sera le 262. Et après ce sera autour du MiG-15 bis. Tout simplement. Et après je partirai sur le deuxième 262, puis le troisième, puis etc etc. Peut-être que j'irai chercher un Arado entre temps. Mais bon, donc le HO229, la première et seule et unique aile volante War Thunder. Ça m'étonnerait qu'ils nous en sortent d'autres, étant donné que les Allemands étaient les seuls à en avoir développé une à cette époque-là, qui a fait deux vols quand même, qui s'est écrasé sur un deuxième, enfin sur le deuxième vol, mais il a volé. Il n'a jamais servi au combat. Donc armé de deux canons de 30 mm, que l'on peut voir là, ils sont plutôt balèzes. Chacun alimenté par 160 munitions, si, si, dans 170 munitions. Ouais, 170 munitions, je crois. Enfin bref, donc un Canberra, on va essayer de l'intercepter, vous pouvez voir les canons, la taille assez grosse. Donc du carburant partout, un véhicule qui prend feu très facilement, qui est plutôt rapide, mais surtout sa grande vitesse et sa maniabilité, et il faut compter là-dessus, sa maniabilité qui lui permet de faire vraiment des virages très serrés et de outturn la plupart de ses adversaires. En revanche, il se pète assez facilement les ailes. Et on va essayer de ne pas le voir. Vous avez vu là déjà j'ai pris 10G, c'était limite. J'ai eu peur. Donc ce sont mes deux premières parties que je vous filme là. Donc je ne sais pas encore gérer cet avion. Il faut bien le savoir. Je tiens à le préciser. Donc oui, deux parties comme d'habitude. On va essayer de faire au moins deux kills du coup. Ça pourrait être sympathique. Une équipe quasiment entièrement composée de Horten. C'est vraiment un très bon avion pour débuter Jet. J'ai vu plusieurs personnes qui pour leur première partie en Horten faisaient des scores monstrueux. Je pense pas que ça sera mon cas. Bon déjà, il y a deux Canberra qui sont morts, donc ça sera pas le full team. Je suis déçu. Mais surtout que moi et les jets, bah ça fait deux. Et moi et la Realistic Battle, ça fait trois. Enfin ça fait deux. Donc au total, il y a deux choses qui ne sont pas faites pour moi dans cette partie. Les jets et la Realistic. Quoique en ce moment, je suis quand même beaucoup de Realistic. Donc au final... On va bien voir ce que ça donne. En revanche, les jets, j'ai du mal. Le 163, je m'améliore, mais c'est pas encore ça. En tout cas, on a un très beau taux de montée. À ce que je vois, là, 20 degrés, on monte plutôt bien. Les P80, ils sont à peu près à la même altitude que nous, alors qu'eux montent depuis le début de la partie. Ils se font atomiser, d'ailleurs. J'ai pas envie de le prendre en face à face, parce que je sais pas ce qu'ils donnent en face à face, leur ton. Ils rentrent déjà tous à la base, ou ça se passe comment? Ouais, et puis, est-ce qu'on a vraiment le choix? On va essayer de tourner après. Allez, on tourne. Je l'ai même pas hit, je crois. Il faut savoir qu'on a des aérofreins, donc là je les mets. C'est les premiers canons de 30 mm. Enfin, c'est mon premier avion composé uniquement de canons de 30 mm allemands aussi, donc je suis pas habitué à ce type de canon. Je tiens à le préciser, la balistique, je la connais pas encore, va falloir que je m'y habitue. Par contre, F84 et F2H, ça c'est plutôt... C'est déjà plus embêtant. Allez, on va aller vers eux. Là, on est à 320 km/h, on peut tourner sans réfléchir. Le 262 qui va rechercher le P80, moi je ne peux pas. Pas assez rapide. On va plutôt aller en dogfight avec les F2H et les F84. J'ai pas envie d'en prendre un en face à face, mais si j'ai pas le choix, et bah tant pis, je le ferai.
Bon là c'est un peu moi qui l'ai provoqué mais bon. Je l'ai hit. Donc hit au 30 mm, ça ne OS pas. Je suis un peu déçu. Le F2H. Que je n'ai pas hit. En revanche je vais me retrouver assez proche de lui et dans son dos. Bon assez proche, 1 km. Et oui carré, on se fait boom and zoom avec l'Ayrton. Nous c'est l'équivalent d'un Spitfire là. Faut bien, faut penser ça. Le 262 c'est un C. 262 ouais c'est un C2B, celui qui a les fusées de la mort. Et on reste en face à face. Hop, j'ai réussi à redresser juste avant, j'avais pas envie de le ramer. Ce serait quand même dommage pour ma première partie de mourir en ramant quelqu'un. Et là, on plonge vers ce F2H. Allez, il est plus rapide que nous. On est à 600, il est plus rapide. Allez, F2H, vraiment des véhicules très rapides. Plutôt bon aussi pour débuter à ce que j'ai entendu un F2H dans les jets. Moi j'ai débuté sur 162, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je tente des tirs. Je connais pas balistique sur longue distance, j'essaie des choses. Ok, il est mort. Un peu déçu de ma part. Parce que j'ai fait... Il en reste encore 4 dans l'équipe adverse, dont 2 qui n'ont pas fait de points. J'ai peur que ce soit des mecs partis dans la stratosphère, comme on en croise souvent en ce moment. Tervater, bon, il a déjà fait des points, donc lui c'est pas pareil. Ce n'est pas un AFK. Bon alors je suis un peu endommagé, mais je vais rester comme ça tout de même. Alors, je vais pas les recharger, il faut que je fasse quelque chose. Et si je vais recharger, de toute manière, il me reste largement assez de carburant, je suis pas encore en surchauffe. Il me reste 214 cartouches, au but plutôt même, qui est dans 30 mm, c'est pas n'importe quoi. Donc on va tenter ce F80. Beaucoup de face à face, ça m'embête. Ah, il y a un mec dans mon dos. Allez, on part. Overload d'IG. Allez, on survit. Je me suis pas fait surprendre. D'IG encore. Ah purée, ils me prennent. Ils veulent tous me tenter là. Loupé également. Bon, j'ai survécu à deux attaques successives de F80. Heureusement que je suis manœuvrable. Enfin que je suis maniable. Et même endommagé, vous voyez, je peux m'en sortir. Alors j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit en termes de hit. Mais tant pis. Bon et là ils vont fuir. C'est assez embêtant. Vous pourriez pas revenir quand même? Non, ils s'en vont vraiment. Genre ils veulent rentrer à leur base, ils veulent recharger. Ah là là. Ah, il y en a un là-bas. Et lui il tourne. Allez. On va aller aider Michael plier face à Dark Vador. Enfin Dark Vator. Dark Vator. Docteur Vator. Ah, l'autre y revient aussi. Bon là-bas ils sont deux donc je vais aller aider celui-là qui est seul. Ah je commence à avoir une surchauffe. Je ralentis le régime moteur, je vais le mettre qu'à 80%. L'autre F80 qui s'est fait atomiser donc là on voit que l'équipe à part un mec à 3 kills. Ouais il y en a quand même deux contre 2 kills. Il n'y a personne qui a pris 7 kills et qui en a laissé 0 aux autres. Bon pour l'instant j'ai une plutôt bonne impression, j'ai pas encore eu le temps de faire grand chose mais j'ai une plutôt bonne impression avec ce véhicule. Tout simplement parce que bah pour l'instant on tourne bien. J'ai pas encore une bonne précision mais ça peut s'améliorer. C'est-à-dire que le problème dans cette partie en termes de kill ne vient pas du véhicule mais de moi. Et ça me rassure. Allez. Montre-toi. Bon par contre la fuite en termes d'huile là commence à me faire peur, c'est-à-dire que même en baissant le régime moteur, je prends cher. Allez. Pilot snipe. Wow. C'est la première partie. On se retrouve dans la deuxième. Ok.
Bon, je vous ai épargné les premières petites minutes de grimpette. Nous sommes déjà à 2 km d'altitude. Je sais pas si je vous avais montré le cockpit, donc le voici. Ah, j'ai le bras bizarre, ouais. Donc pas de web hein, sur l'avion. J'ai oublié de préciser. Et puis voilà. Donc là, on est sur le même BR que précédemment, vu qu'il y a un Messerschmitt de 6 de C2B. Et je ne sais pas lequel c'est, du coup, mais comme BR, mais c'est le même véhicule. Pareil, spam de Horten, qui est vraiment très bon, je pense. Pour être spam autant, j'en avais jamais vu autant en une partie. Que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 Horten sur 8. Ce qui nous fait quasiment du 80%. Pas dégueu. Pas dégueu. Et on va donc... là, on est pareil face à... Ouais, américain-anglais. Et on va essayer de faire quelque chose. Donc, si je veux respecter mon quota de 2 kills en deux parties, il faut que j'en fasse 2 à celle-là. Ça va pas être facile, hein. J'essaie de chercher les petits points, mais en fait, j'ai trop pris d'altitude, je crois, et que du coup... je suis arrivé en dernier sur le champ de bataille. Les autres Horten ont rush les adversaires en fait, contrairement à moi. Ils sont restés en très basse altitude et sont partis tout droit. Apparemment ils font les cibles au sol de ce qu'on voit. Ouais, 3, 2. Moi je vais essayer de le jouer en termes de chasseur, non pas en termes de véhicule d'attaque au sol. Donc les deux premiers contacts, 2 F80. 3 F80 et un météore. Ça, le météore il est bien avec ce BR. Je sais pas lequel c'est, mais il doit pas être déçu. On tourne mieux qu'un météore, je crois. Ça va être à vérifier. Mais je crois que oui. Faut juste pas le prendre en face à face, parce que lui, c'est 4 canons de 20 dans le pif. Et moi, c'est 2 de 30 un peu écarté. Ah, encore. Ah, c'est 2 météores. Alors, quand ça se passe en bas, si les adversaires perdent de la vitesse, je vais pouvoir essayer... Oh non... Je fais des tirs à 1,5 km. Et je descends. J'ai quand même pris un coup. Je suis un peu déçu, je vais pas vous cacher. Ouais. Allez, on descend. Météor ne nous a pas suivi. Ah. Il y en a un qui nous suit. Si, il y en a un qui nous suit. Aérofrein. On perd la vitesse, on break. Et on se retourne. Voilà, tout en douceur, faut qu'on passe quand même. Allez, ah purée, ils sont deux. Pilot snipe, deux fois de suite. Allez, une petite troisième game, parce qu'il faut bien jamais 203 pilot snipe, hein. Allez, go. C'est maintenant le moment de la revanche. Le moment où je vais essayer de me faire pilot snipe une troisième fois. Ou alors que je vais essayer de faire 3 kills en une partie. C'est la première vidéo test de jet où je fais 3 parties. Parce que là il me faut vraiment quelque chose. Enfin, c'est le moment de réaliser l'exploit. Je vais même mettre une musique épique maintenant. Voilà. Bon, tout le monde est déjà devant. On est contre les Américains sur la Ruhr. C'est la revanche. On m'a reconnu en plus. Donc il faut pas que je fasse de la merde. Voilà. On salue les blanquettes qui sont là-bas. Allez, on va essayer de couvrir ces Horten 229. On a 500 km/h, on va prendre de l'altitude à F80. J'ai lu quelqu'un dans le chat là qui disait que apparemment le Horten était bon en face à face. J'y crois moyen. Ah non, je vais me faire intercepter. Je vais me faire intercepter sur le côté. Ouais, on prend la vitesse. On prend la vitesse. Just do it. Me prend face à face. Allez, viens. Viens, viens, viens. Viens, 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 viens. Ok, j'ai pris cher et pas lui. Je l'ai même pas hit. Y'a quoi sur les côtés? Y'a rien. Allez, je dive. Je dive sur cet homme. On tente des choses. Je vais me faire choper par en haut, mais c'est pas grave. Allez. On a une fuite de carburant, mais c'est pas grave. On y va à fond. On n'est pas en feu. On va rattraper ce F80. Pas du tout. Il est plus rapide. Eh ben, on va reprendre de l'altitude tout doucement, en se pétant pas les ailes. Voilà.
Comme ça exactement. On va essayer d'aller provoquer. Ah non. On va essayer de rien provoquer. Pétons pas les ailes. Il y a un mec derrière nous qui m'a pété une aile. On vole encore, on vole encore. On est une aile volante, on n'a pas besoin d'un bout d'aile. C'est superficiel. On accélère, on accélère. Allez. Est-ce qu'on va réussir à aller se poser? Ça m'a l'air compliqué. Oh super, des anti-aériens, je pense pas croiser la route. Allez, on s'en fait un. J'ai même pas réussi à l'it. Non, please. Please, just please. I lose my wing. C'est le moment du troisième pilot snipe. Allez, viens me chercher, viens me chercher. Aérofrein étendu. On ralentit, il faut qu'il nous double. Pilot snipe, 3 fois de suite. Oui. On a réussi. Oh, c'est exceptionnel. Oh, il s'est écrasé en plus, non? Je ne sais pas. Bon bah voilà, comme je leur ai écrit. Je suis mort. Alors qu'est-ce qu'ils font les blancs? Les blanquettes. Il y en a un qui est décédé, il y en a un qui a réussi à faire un kill. Eh bien moi je vais vous laisser là. On a réussi à faire 3 parties en return de 100. Oh. Oh, quelle manœuvre de génie. Il a failli faire crasher le deuxième aussi. Donc 3 parties en return de 129, mais 3 premières. Bon, je vais quand même vous le reprouver. On va ici. Non, tier 5, voilà. J'ai fait une partie. Il y a une partie qui est ici, qui est en cours. Les Ardennes que vous avez vu juste avant. Et celle d'un instant sur la Roure. Donc mes 3 premières parties, mes 3 premiers pilot snipe. Mes 3 premières morts. Et mon... pas encore de kill. Mais ça ne serait tardé. Je vais essayer de m'améliorer sur ce véhicule. Encore et toujours. Parce que de toute manière, si je veux débloquer mon 262, va falloir que je réussisse à bien le jouer. C'est pas avec le 162 que je vais pouvoir grind. Et le 163 me stresse trop quand je joue. Ouais, bien sur ce, je vous dis à la prochaine. Bonne chance à ce blanquette. Et à plus tout le monde. Oh, attendez, attendez, attendez. Si on pouvait finir sur un kill d'un français. Je me demande si son moteur est pas un peu mort. Ouais, je crois qu'il a pris des coups. Bon. Au revoir.